Alors, pour calculer une intervalle, l'intervalle, c'est l'écart qu'il y a entre deux notes. Pour calculer une intervalle, on prend trois informations. C'est la petite barquette. La première barquette, c'est quoi? Voilà, c'est l'intervalle en elle-même. Ok, donc, unisson, seconde, Tiers, quart, après, sixte, six, septième, octave. la deuxième barquette, pour le moment, on s'en occupe pas. Et la dernière barquette. Donc là, on a les intervalles. Là, c'est la qualification. C'est ce qu'on va voir après. C'est ce qui est un peu plus compliqué. Et là, la dernière barquette. Ascendant. Ou descendant. Ça, en fait, c'est ce qu'il faut remplir en premier pour savoir comment compter. Comment on compte. D'accord? Par exemple, de fa à la, regarde, Ascendante. ascendante, ça monte. Tiens. Donc c'est ascendant. Tierce, pourquoi? Parce qu'il y Fa, a sol, là. la. Tierce. OK. Et ensuite, on décompose. On décompose en tout petit. D'accord? Note par note. Donc, fa, sol, la. Quand vous les dites, fa, sol, la. Donc, on fait d'abord entre fa et sol. Ensuite, on va faire entre sol et la. D'accord? Fa, sol, sol, la. OK? Ah ben, l'octave, du coup, tu fais toutes les notes. Ouais? Fa, sol. Il y a combien? Il y a un ton, un demi-ton? Un ton? Sol, la, un ton. Donc on a deux tons. On regarde dans le petit tableau que vous avez. Dans tierce, qu'est-ce qu'on a en deux tons? Majeur. Majeur. OK? C'est bon? Normalement, ça tombe toujours juste. Après, on peut avoir aussi avec des demi-ton. Et là, c'est un petit peu différent parce que il faut savoir si c'est un demi-ton chromatique ou un demi-ton diatonique. Donc, là, on est entre Ré et Fa. On est d'accord, c'est encore une tierce. On est d'accord, c'est encore L'ascendant. ascendant. Emric, on fait quoi? Comment on Entre, décompose? on calcule entre Ré et Mi. Ré, mi. Mi et Fa. Et mi et fa. Ok. Ré, mi, Élise. C'est un tout. Un ton. Et là, mi, fa. Un demi. Un demi et un demi qui est comment? Diatonique. Diatonique. La différence chromatique, c'est quand la note toute nue. C'est la même. Entre fa et fa dièse, il y a un demi-ton, mais la note, quand on l'a dit, c'est la même. La note sans l'altération, c'est la même. Un demi-ton diatonique, c'est quand c'est deux notes qui sont différentes. Diatonique, différente. Ça roule? Et du coup, c'est les mineurs. Du coup, un ton plus un demi-ton diatonique, c'est mineur. Est-ce que vous avez des questions? Ok.